Pour la Corée du Sud, il n'y a pas de doute. C'est l'appui de la Russie qui a probablement permis à la Corée du Nord de mettre en orbite son premier satellite espion. Ce lancement, en violation des résolutions de l'ONU, tend un peu plus les relations entre les deux Corées. Séoul a d'ailleurs partiellement suspendu un accord militaire avec sa voisine. Le président russe Vladimir Poutine avait promis de soutenir le programme de satellites de Pyongyang. Washington, Séoul et Tokyo estiment que c'est en échange d'une aide militaire nord-coréenne contre l'Ukraine.